مستعد تلقي كل الأسئلة ديالكم كتابيا ويجيب عليها عبر بوابة المركز. إذا سأقرأ هذا فعفوا للتلكم إذا تم. يقول جمال: En posant une question sur la possibilité de l'État d'être social, on s'expose à de multiples difficultés d'ordre méthodologique et à la nécessité de réexaminer les définitions relatives à l'État et au social. Il faut les observer séparés pour comprendre les liaisons possibles entre les deux, l'État et le social. Il faut les observer, l'État et le social, il faut les observer séparés pour comprendre les liaisons possibles entre les deux. L'État et le social ne représentent pas une molécule figée de deux atomes dans un moment donné qui fonctionne de façon naturelle. Il faut opérer une fission entre ces deux entités pour comprendre les liens, les lieux d'attraction et les moments de répulsion. Je propose 6 pistes de réflexion sur cette question, une sorte de mémo non fini, ouvert au débat. Le mot « piste » est choisi exprès dans le sens où rien n'est coutumé ni fixé d'avance. Les pistes sont là, au gré des vents et des pluies, ouvrant un chemin dans un environnement instable. Ma première piste, je l'appelle GPS. Où l'on se trouve géographiquement et temporellement, on a le ressenti d'appartenir à une communauté élargie ou réduite. On vit quelque part, un jour ou toujours, et ce quelque part nous lie à quelque chose qui parfois semble juste à notre taille et souvent beaucoup plus grand que nous. On s'attache et on se détache. Ces flux et ces reflux sont comme des marées montantes et descendantes, stimulantes parfois, décevantes souvent, et nous poussent à nous interroger sur les raisons qui nous ont fait atterrir dans de telles coordonnées GPS. On ne peut compter que sur soi et parfois sur ses proches pour s'en sortir. L'alternative alors est de chercher d'autres coordonnées GPS et se déplacer ailleurs, en ailleurs où la notion sociale a du sens. Il faut ramasser ses bagages, quand on en a, et partir à sa recherche. Lorsqu'on est dans un village comme Yerariman, les chances que nos problèmes d'ordre sociaux soient résolus sont faibles. Ni la latitude, ni la longitude, ni même l'altitude ne sont favorables à la résolution de questions théoriquement simples. Un problème social qui se résout en une heure à la préfecture d'Anfa nécessite des jours dans ce village loin de tout. Les coordonnées GPS sont terribles. Ma deuxième piste, je l'appelle force. La proposition la plus efficace pour définir l'État demeure celle de Max Weber de par sa neutralité axiologique. Il dit que l'État est une entreprise politique à caractère institutionnel revendiquant avec succès, dans l'application de ses règlements, le monopole de la violence physique légitime sur un territoire donné. Au centre se trouve la notion de force. La force, elle est légitime. Ce qui apparaît moins à première vue, c'est que cette force est aux mains d'un groupe qui souvent est un groupe minoritaire. Dans la société autocratique, il est basé sur le monopole d'un groupe qui, par la force et la coercition, domine la communauté et crée les États puissants et inégalitaires. Ces États tiennent jusqu'à ce qu'un autre groupe, plus fort et mieux organisé, apparaisse. Dans la société théocratique, il est basé sur l'alliance d'un groupe ou d'une famille avec le sacré, qui monopolise le pouvoir et tire sa légitimité de l'ancienneté de cette alliance. Les États créés dans cette configuration génèrent des modèles d'allégeance périodiquement renouvelés ou pas.
dont la société démocratique, il est basé sur le monopole d'une minorité organisée qui tire sa légitimité d'une majorité moins bien organisée, certainement par le vote qui en est le moyen. Les trois types de légitimité du pouvoir d'un État se chevauchent. Dans les trois cas de figure, c'est toujours une minorité organisée qui détient le pouvoir. Lorsqu'elle se désorganise, une minorité mieux organisée qu'elle la remplace. Dans la société autocratique et théocratique, le changement de pouvoir se fait le plus souvent par la force et par l'effusion de sang. Dans le cas démocratique, le changement de pouvoir peut se faire sans effusion de sang et par le vote. Dans tous ces cas de figure, ce qu'il nous faut retenir de cette piste d'analyse, c'est que l'État, c'est la force qui est déterminante. Ma troisième piste concerne le social. Il commence au moment où un groupe humain prend soin des membres de son clan les plus fragiles, ceux qui passent par une période de faiblesse physique. Dans les sites archéologiques, on a trouvé des personnes avec des fractures graves et des os cassés et ressoudés. Il y a plus de 3000 ans, des personnes ont pu survivre et ne se remettre de leurs blessures que grâce au soutien des autres et de la communauté. Il existait une proportion à soutenir les plus affaiblis. La prise de soin de l'autre n'est pas seulement utilitaire ou liée à une forme d'échange, le don ou le contre-don. On prend soin de l'autre parce qu'il est membre de la communauté, qu'il soit apte ou inapte. Coopérer nous humanise. L'attachement aux autres dépasse l'intérêt immédiat. La survie dépend alors de la coopération de tous les membres du clan. Celui-ci évolue par la suite dans une communauté de langue, de culture. Il s'intègre progressivement à une coalition de communautés, voire à une nation. Le social fonctionne de façon complètement différente de celle de l'État. Pour survivre, une communauté prend en charge les individus immatures. Un bébé humain ne survit pas plus de quelques jours seul. Ceux avec une faiblesse physique, temporaire, personnes blessées ou fracturées en chasse, ou bien des personnes âgées, des grands-mères qui ont été vitales dans la transmission des connaissances. Du côté de l'État, la force est au cœur du dispositif. Du côté du social, la faiblesse devient force centrale. Alors, comment fonctionner pour voir si les deux s'articulent? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma quatrième piste, faire social. Dans le sillage de l'indépendance du Maroc et du mouvement national, il y a eu des moments où ceux qui vivent dans les marges depuis si longtemps ont perçu quelques fenêtres d'ouverture et eurent accès à des objets relevant de la notion du social. Trois types d'objets peuvent être considérés en posant la question « Est-ce du social ?» Le premier étant celui de l'éducation, le deuxième celui de la santé et le troisième celui de l'archipel des précarités. Toute action menée par l'État vers tel ou tel objet peut-elle être considérée comme une action sociale de ce dernier? Regardons les composantes de ces actions. Le premier objet est celui de l'éducation. Le passage après l'indépendance s'est fait de l'école libre à l'école publique, avec un enseignement généralisé, uniforme, arabe. Est-ce que l'État fait du social en organisant l'école ou bien est-ce qu'il participe à la construction, sélection de ses propres ressources humaines futures? Après l'école libre, s'est développée l'école privée, plus malléable quant au désir pas de l'État. Le deuxième est celui de la santé, où il se trouve qu'après des décennies d'un service de santé à plusieurs vitesses, on se dirige progressivement vers une couverture de santé plus inclusive, Amour, Amid, etc. Est-ce que l'État fait du social en généralisant la couverture ou bien
est-ce que cela servit du citoyen ou sujet qui est au centre du processus? La survie des individus est une condition nécessaire de survie de l'État. Le troisième objet est celui de l'archipel des précarités. Nous sommes dans un autre type de situation où l'État se préoccupe car il a des raisons d'être préoccupé. Les différentes transformations de la vie sociale, le dérèglement climatique vont mettre de plus en plus de personnes dans une situation de précarité sous ses multiples formes. Des vulnérabilités protéiformes vont voir le jour, allant des mères célibataires aux enfants des rues, des personnes en situation de handicap, des enfants déscolarisés aux prostituées. Toute cette profusion de vulnérabilité va générer un archipel de précarité non soluble dans les modèles de solidarité traditionnels. Les catégories sociales qui émergent de ce foisonnement génèrent des mouvements sociaux, créent des leaderships associatifs et s'opposent en s'opposant face à l'État. Comment l'État peut-il intervenir? Après le 16 mai 2003, une solution fut trouvée, celle de l'INDH, qui correspond à une nouvelle expérimentation de gestion de crise. Est-ce l'État devient pour autant social dans cette situation? Ou bien, si l'ouverture du monde, la circulation de l'information, les réseaux sociaux, l'interconnexion du local et du global, qui font que l'État est obligé de s'impliquer? La cinquième piste, c'est cette grande question, l'État peut-il être social? Il y a deux cas. Le premier cas de figure, je réponds non. Quand la minorité au pouvoir, qui le représente, quelle qu'en soit la forme, ne dépend pas du social. Dans le premier cas, la force détenue par la minorité au pouvoir est tellement puissante que penser au plus faible n'est jamais une priorité. L'État est d'abord trop occupé à installer, désinstaller et réinstaller les choses qu'il considère prioritaires pour se préoccuper du groupe, à faire une nuisance. En tous les cas, pas à court terme. De plus, depuis des millénaires et l'apparition des grands États, ces classes dites laborieuses ont le plus souvent été considérées comme des classes dangereuses. L'utilisation de la force a souvent servi pour réduire leur action. Pour la minorité au pouvoir, faire du social, c'est aller à contresens, c'est tout simplement se déclarer faible et faiblir. Ma deuxième question, mon deuxième cas, je peux répondre que l'État peut être social, oui, contre la survie de la minorité au pouvoir qui le représente, quelle qu'en soit la forme, dépend du social. Dans le second cas, les mouvements connectés à l'international font pression, créent des réseaux, la communauté sociale s'active, une minorité représentant cette communauté opère des rappels, s'approche et s'éloigne de l'État, négocie son appartenance et les éléments constitutifs de cette appartenance. L'action sociale devient un moyen d'action. La vocation principale de l'action politique, celle de soulager la souffrance humaine, se met en marche. L'État, quand il prend le relais, peut devenir social et cela dure un certain temps. La critique qui lui est adressée a une double fonction, celle de le pousser à changer, mais aussi celle plus perverse d'utiliser la critique pour renforcer son immunité et devenir encore plus fort. L'État peut donc être social le temps qu'il faut pour sa survie et sa reproduction. Ma dernière piste, c'est comment conclure et surtout, est-ce qu'il y a une forme ouverte de conclusion? Donner une note optimiste à tout cela est difficile du point de vue des systèmes, mais possible
du point de vue des acteurs. Un individu qui est situé dans l'intersection d'une latitude et d'une longitude peut changer d'intersection. Des possibilités de choix sont toujours possibles, sauf à enfermer les gens, mais où les enfermer? Lorsqu'ils trouvent des conditions pour coopérer entre eux et survivre dignement, les humains s'attachent à leurs coordonnées GPS. Et c'est plus, et l'état où ils se trouvent coopère à son tour, on retrouve généralisées les anciennes solidarités humaines qui avaient permis à l'homo sapiens de survivre comme communauté sociale. Si ces connexions locales ne se font pas, les individus cherchent au global ce qu'ils ne trouvent pas tout près d'eux. Il y a toujours des leviers et ils finissent par trouver les moyens pour partir dans des conditions parfois dramatiques. Dans leur pérégrination, ils trouvent le chemin qui leur permette d'accoster ou atterrir quelque part où les solidarités sont fortes. C'est le texte de mon collègue Jean Marchand. سوسيولوجي تكوين يفرق بين هذا العنوانين الدولة والاجتماعي البعد الاجتماعي ويقول بأن الدولة مؤسسة أساسا على السلطة وعلى القوة وعلى العنف بينما البعد الاجتماعي مؤسس على التضامن وعلى تآخي مجموعة من العناصر المكونة لمجموعة بشرية ما والهدف هو تدبير الضعف ومساعدة الضعيف والمعوز والموجود في حالة هشاشة ويتساءل هل يمكن الجمع بين مقومات هذه المقومتين القوة والهشاشة ويجيب بشكل سريع في هذا الإطار بأن الدولة تسيرها مجموعة بشرية محدودة فارضة لنفسها في إطار الدولة الأوتوقراطية والبسيوقراطية مختارة من طرف أغلبية مجتمعية عبر التصويت بالنسبة للحالة الثانية ولكن تبقى أقلية وهذه الأقلية في بحثها عن شرعيتها تتعامل مع ما يسمى بالبعد الاجتماعي في غالب الأحيان ترفض و استعمل التوجه الأمني لضبطه وفي حالات محدودة تتعامل معه ليس من أجل تدبير الضعف من أجل المجتمع بل من أجل أخذه وتحويله لإعادة إنتاج قوتها وإعادة منظومتها الدولية إذن هذا أظن أنني لم أتعسف عن ترجمة في تلخيص ما قاله الأستاذ جمال خليل بطبيعة الحال هذا رأيه وليس برأيي أنا طبعا لست أدري أن أتدخل الآن لأعطي وجهة نظري في الدولة الاجتماعية أم بعد النقاش ما كثير قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي